Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 34e épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword HD sur Switch. Dans cet épisode, on va continuer les quêtes annexes. Et là, malheureusement, j'ai un peu mal géré. Parce que je pensais qu'il me restait encore quelques quêtes annexes à faire. Il m'en reste juste une à faire. J'en ai encore d'autres à faire, mais je peux malheureusement pas les faire maintenant. Et dans le malheur, dans mon malheur, finalement, c'est pas plus mal. Parce qu'il continue à faire chaud chez moi. Et j'ai peut-être pas envie de faire un épisode trop long. Parce que j'ai pas envie que mon PC chauffe trop longtemps. J'ai pas envie. Bon, pour un tournage, ça peut encore aller. Mais pour le rendu, par contre, ça va être un peu yolo. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on a une quête annexe que je vais faire. Que je peux faire maintenant. On en fait une. On va bien la faire tranquillement. Et on va récupérer un coffre et on s'arrêtera là. Et dans le prochain épisode, on reprend la quête principale. Et du coup, malheureusement, pour le montage, le rendu, je vais préférer attendre. Parce qu'il continue à faire chaud chez moi. Et j'aimerais bien refroidir l'appartement avant de lancer le rendu. Parce que là, par contre, mon PC il chauffe bien quand je fais un rendu. Donc, je vous tiendrai au courant. De toute façon, très rapidement, ça va refroidir là. Et je pense quand même que l'épisode sortira assez rapidement, mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc pour ne pas perdre de temps, on commence tout de suite. Voilà, donc on est retourné à Célestbourg et la seule quête annexe qui me reste à faire, que j'ai à faire, que je peux faire maintenant, c'est la quête de Pavel qu'on avait déjà bien entamée, mine de rien, parce qu'il fallait lui reparler plusieurs fois jusqu'à qu'elle change de sentiment pour nous. Donc on va la faire en deux fois. Vous l'avez compris, c'est une quête annexe qu'on doit faire en deux fois et on va tout de suite la voir. Ah, du coup, je vous présente Pavel. Bon, vous la connaissez maintenant, c'est pas la première fois qu'on la voit, mais du coup on va compléter la quête qui se fera en deux fois. Donc j'ai fait une sauvegarde et il faudra que je reprenne la sauvegarde juste après. Donc parlons-lui. On va d'abord jouer les Link qui cachent ses sentiments et finalement serait amoureux de Pavel. Ah, je suis tellement heureuse. Tu es venue pour me voir, n'est-ce pas? On va dire oui. Tu me combles de bonheur. Je pourrais mourir de félicité. Sachant qu'on peut très bien répondre... on pouvait très bien répondre tout ça et finalement on aurait la bonne fin avec Pavel. Mais bon, pour la cohérence de la chose, voilà. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je rêvasse toute la journée, j'ai le cœur qui s'emballe, le souffle coupé, je suis prise de vertige. Crois-tu que, enfin, serait-ce... C'est l'amour. Ah, je n'arrive pas à croire que tu aies prononcé ce mot. Je voudrais disparaître sous terre. Elle va fondre, tout simplement. Et moi, je suis en train de fondre de chaud, là. Bordel. Il fait chaud. Mais enfin, où ai-je la tête? Je dois me remettre au travail. Oui, remets-toi au travail vite fait. Où en étais-je? Ah oui. J'allais te dire que tu avais besoin de moi. J'étais entièrement à ta disposition. Parfait. Tu es sérieux? Oh, quel bonheur. Par la déesse, je m'oublie. Je n'avais pas l'intention de te révéler mes rêves les plus fous. Oh, je n'aurais pas dû dire ça non plus. Veux-tu que je prenne tes affaires, mon cœur d'amour? Bon, on va dire oui, mais sauf que, voilà. Prends tout ton temps, sauf qu'on n'a rien à faire, donc arrêtez. J'attends ta prochaine visite. Donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il faut retourner dans la maison de Pavel, ou plutôt, devrais-je dire, la maison de son père. Alors du coup, je vous présente le père de Pavel, qu'on avait déjà rencontré. Pas ici, il me semble qu'on ne l'a pas rencontré ici. Mais rappelez-vous qu'on avait fait le jeu du bambou, là. Il était là-bas. Mais là, du coup, il faut lui parler. Et vu sa tronche, il a l'air un petit peu contrarié, le bonhomme. Ça se comprend. Ça se comprend. Il veut protéger sa fille, il veut pas qu'il sorte avec n'importe qui. C'est compréhensible. Kana, tu tombes à pic, j'ai un souci. Que se passe-t-il? Je suis en train de m'arracher les cheveux, c'est à propos de ma fille. J'ai en effet un grave problème avec ma fille chérie.
Son comportement est incompréhensible. Elle rivasse toute la journée. Elle vire au rouge et crevisse sans raison. Oh, attends une seconde. Mais bien sûr. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Un petit opportun doit lui tourner autour, bien entendu. C'est tout à fait normal quand j'y pense, avec son caractère charmant et bien sûr. Sa beauté sans égale, les hommes ne peuvent évidemment que la remarquer, c'est naturel. Mais enfin, qu'est-ce que je suis en train de dire? Un père ne peut pas tolérer ce genre de choses. En voilà un qui va se faire mettre en pièces. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Tu dois trouver cet Olibrius et lui dire de laisser ma fille tranquille. Je vais garder un œil sur elle, évidemment, mais je peux pas tout voir. Je te paierai. Ça va sans dire. Si tu arrives à nous en débarrasser, je t'autoriserai à échanger quelques mots avec ma fille. Et donc, le gars, pas la peine de répondre. Je sais que tu es d'accord. Après tout, qui refuserait une récompense aussi généreuse? Qu'il laisse ma fille respirer, je pourrais me détendre. Tu es l'homme de la situation, Link. Oui, nous sommes l'homme de la situation. Et du coup, le truc, c'est que par sécurité, nous allons tout de suite passer de nuit à nouveau. On va passer une journée entière. Alors, j'espère que la vidéo sera pas trop courte non plus. On verra bien. Donc, du coup, il se passe rien, donc il faut retourner au marché couvert. Alors du coup, nous avons comme d'habitude la petite bulle devant Pavel, ou plutôt au-dessus de Pavel, et pas un cristal comme dans les Sims. Et du coup, oh, elle est toute joyeuse, hein, vraiment toute joyeuse. En même temps, on lui a déclaré notre flamme, donc tout à fait normal qu'elle soit joyeuse. Bonjour mon chéri. Je voudrais que tu passes chez moi ce soir. Je dois te dire quelque chose. J'habite juste à côté du marché couvert. Tu viendras, n'est-ce pas? Je t'attendrai. As-tu quelque chose à consigner? Non, on n'a rien à consigner. On est pressé de déclarer notre flamme à Pavel. Hein. On est très très pressé. Donc qu'est-ce que Pavel a à nous dire? Bon, on devine qu'elle va nous déclarer ses sentiments, hein, bien entendu. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle doute encore. Elle ne sait pas exactement si Link a vraiment des sentiments pour elle, malgré le fait que tout à l'heure, on a dit oh, oui, on a dit oui à tout. Mais bon, c'est pas grave, elle doute encore, ce qui est normal après tout. C'est vrai qu'on est amoureux, on doute, hein. On n'est pas non plus... On a peur d'être... de vivre un chagrin d'amour, donc c'est tout à fait normal d'hésiter. Tout à fait normal. Kana, tu es venue, merci. Voilà, il y a quelque chose que je dois absolument te demander. Mais surtout, ne te braque pas. Qu'est-ce que tu penses de moi? On va faire quand même un Link qui est très sûr de lui, hein, vraiment. Hein. Tu me plais. C'est vrai? Tu n'es pas en train de me faire marcher? Non, t'inquiète pas. Comme je suis heureuse, je n'arrive pas à y croire. Dis-le-moi encore, juste une fois. Ah, pas de problème. Je te plais, c'est vraiment, vraiment vrai? Bien sûr. Tu es sérieux, n'est-ce pas? Si je découvrais que tu m'as menti, je ne sais pas ce que je ferais. Bah, je serais très malheureuse. Ça, c'est sûr. Et faites jamais ça à une fille. Clairement, ne faites jamais ça. Ça, c'est un truc. Si vous aimez une fille, vous l'aimez vraiment. Si vous l'aimez pas, n'allez pas lui dire que vous l'aimez parce que c'est pire encore. C'est pire encore. Provoquer un chagrin d'amour à une fille qui est amoureuse de vous et lui dire que vous êtes désolé et vous ne l'aimez pas, c'est sûr, vous êtes triste pour elle, mais si vous mentez et qu'après au final vous lui dites que finalement non, c'est pire encore. C'est pire encore. Donc faites pas ça. Donc pour l'instant, on fait un Link vraiment qui est amoureux. Donc je suis sérieux. Oh merci, je t'aime tellement mon chéri. Pardon d'avoir douté de toi. Mais je sais, tu as des choses bien plus importantes à gérer en ce moment. Ton destin t'attend, tout ça. Je le vois bien. Tu viens toujours déposer des choses à la consigne. Ne t'en fais pas, je ne te tourmenterai plus avec cette histoire. Je vais faire de mon mieux pour t'offrir le meilleur service possible à la consigne. Mais quand tu auras terminé ce que tu as à faire, alors je pourrai te présenter mon père, qui va pas être content. Mais pour l'instant, notre histoire doit rester secrète.
Je te verrai à la consigne. Pas de problème. Et du coup, on obtient un cristal de gratitude. Ça nous en fait combien là? Ça nous en fait 62. On en a 80 à récupérer en tout. Donc du coup, je crois qu'il faut passer une journée entière. Parce que là, le père, il se passe rien du tout. Alors jusqu'à la nuit, on trigger une journée entière. On trigger 24 heures, carrément. Et là, le père... Ah non! Ou alors... Voyons un peu. Ah oui, non, c'est bon, il n'y a plus de bulles, mais du coup, ça a changé. Mauvaise nouvelle, Link. Ma fille s'est trouvée un Jules. Attends seulement que je mette la main sur ce moucheron insignifiant. Link, je n'aurais pas dû te demander ton aide. Que faire maintenant? Alors, je suis désolé, Padre. Le Jules, tu l'as en face de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est triste, hein? Bon, du coup, c'est bon, on va se retrouver pour la deuxième version. Donc, du coup, on a tout reset, c'est parfait. Pas le jeu, bien entendu, hein, rassurez-vous. De toute façon, j'aurais pas les cœurs que j'ai si j'avais reset tout le jeu. Ou alors, la vache, le mec... Oh, j'ai tout reset! Merde! Je vais regarder toutes mes vidéos pour savoir comment j'ai fait déjà. Imaginez le truc. Non. Bon, du coup, maintenant, on va jouer les Link... Il n'a pas de sentiment pour elle. Mais du coup, voilà, il va devoir au bout d'un moment dire que, ben, Pavel, désolé, quoi. Mais bon, du coup, on va rendre la chose cohérente, bien entendu. Ah! Je suis tellement heureuse. Tu es venue pour me voir, n'est-ce pas? Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Tu me fais rougir, mon adoré. Ling, là, on devine qu'il sait pas trop où se mettre, hein. Il n'a pas de sentiment pour Pavel. Pavel, clairement, ça se voit qu'il est amoureux de lui, mais Link... Bon. Lui, c'est Zelda. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je rêvasse toute la journée. J'ai le cœur qui s'emballe, le souffle coupé, je suis prise et vertige. Bon, après, les dialogues ne changent pas trop pour elle. Crois-tu que... Enfin, serait-ce... Bon. J'avoue que la réponse est un peu... Bon. On va pas dire c'est l'amour parce que... Bon, alors à la rigueur, Link pourrait dire c'est l'amour, mais je suis désolé, voilà, moi j'ai pas de sentiment pour toi. Bon, on va faire un Link qui est un petit peu froid et un petit peu maladroit là, pour le coup. Ça doit être la grippe. Oh, quelle farceur tu fais. Mais enfin, où ai-je la tête? Je dois me remettre au travail. Où en étais-je? Ah oui, j'allais te dire que si tu as besoin de moi, j'étais entièrement à ta disposition. Pas la déesse, je m'oublie. Je n'avais pas l'intention de te révéler mes rêves les plus fous. Oh, je n'aurais pas dû dire ça non plus. Veux-tu que je prenne tes affaires, mon cœur d'amour? Non, finalement, j'ai des choses à faire. Désolé. Bon, on devine qu'il est un peu gêné, là, le bonhomme, hein. Un petit peu. Mais du coup, là, quand même, mine de rien, on a un Link, ça le tracasse un petit peu, quand même. Il n'a pas de sentiment pour Pavel. Il se rend compte que il est en train de se coltiner Pavel, alors que il a rien demandé, le pauvre. Et du coup, bah, il s'est dit, ce serait peut-être pas plus mal d'avoir une petite discussion avec Pavel pour essayer de comprendre ce qui lui arrive et pourquoi. Et là, il se dit, ah, il y a le père, il a une drôle de tronche, père. Et si on allait parler au père, plutôt? Qu'est-ce qui se passe? Kana, tu tombes à pic, j'ai un souci. Bon là, Link, c'est la fille, c'est ça? C'est ta fille? En effet, on peut rien te cacher à toi. J'ai en effet un... Bon, après, c'est le même dialogue tout le temps, on va pas les refaire. Hein. On les connaît, les dialogues. Hein. Et là, Link est en train de se dire... Ouais, bah, il va faire une pierre du coup, au final. Il va aider le père à ce que Pavel se calme un peu. Et il va gagner du pèse à la fin. Il va être content. Ah, sacré malin le petit Link quand même. C'est un malin,
Mais du coup, oui, il peut directement parler à Pavel s'il veut. Hein. Bonsoir mon cœur, bienvenue. Tu es venu jusqu'ici pour me voir? Ça me fait bien plaisir. Bon, j'ai pas trop la voix qu'il fallait là pour le coup. Mais du coup, oui, bon, bien entendu. On va dire que Ling là, hein, ça le tracasse un peu. Il sait pas trop quoi dire à Pavel. Donc pour l'instant, il sait pas trop. Il va réfléchir un peu là. Hein. Et du coup, Ling, il a passé toute une nuit à cogiter. Le bonhomme, il a... Je sais pas si on voit qu'il a les yeux un petit peu cernés. Parce que il a pas trop réussi à dormir, le pauvre. Hein. Bon, il a réfléchi toute la nuit. Et ben, Ling, c'est quand même un bon monsieur, un bon bonhomme. Il aime pas faire de la peine aux gens. Il s'est dit, Pavel va la rendre triste, mais du coup, il peut pas lui dire qu'il est amoureux d'elle parce que c'est pas le cas. Et voilà, il sait très bien qu'il faut pas faire ça. Donc là, il va devoir dire la vérité à Pavel. En plus, qu'il a rien demandé, le pauvre, mais bon, il a pas le choix. Hein. Bonjour mon chéri, je voudrais que tu passes chez moi, ce soir, je dois te dire quelque chose, j'habite juste à côté du marché couvert, tu viendras n'est-ce pas? Je t'attendrai. Non, bon là Link il est un peu dépité, que il s'attendait à peut-être expliquer les choses maintenant, et là Pavel, oh non, il faut que j'attende le soir, c'est chiant. Oh, du coup, excusez-moi, je voulais pas montrer, mais Link, il a dû tabasser du bambou avec le padré, là, parce que... il était stressé, le pauvre, il avait besoin de se défouler un peu, faut le comprendre. Bon, là, voilà, il s'est calmé. Maintenant, il sait exactement quoi dire à Pavel. Il va prendre son courage à deux mains, il souffle un bon coup. Hein, voilà. Il est grand temps d'avouer la vérité à Pavel, que malheureusement, ben oui, ben, Link, il sait qu'il va faire du mal un petit peu à Pavel, quand même, hein. Elle va pas être heureuse, elle va vivre un chagrin d'amour. Et voilà, bon ben c'est la vie, hein. il vaut mieux dire les choses franchement, hein. Quitte à ce qu'elle tire la gueule après, ben tant pis, mais bon voilà, on peut pas mentir et faire croire qu'on est amoureux finalement, et puis je l'ai dit, c'est pire au final, hein. C'est pire encore après. Donc, Link, tu es venu, merci. Voilà, il y a quelque chose que je dois absolument te demander. Mais surtout, ne te braque pas, hein. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ben, on va quand même être sympa, on va dire qu'elle travaille bien, quoi. Tu travailles bien. Mais, je ne t'ai peut-être pas posé la question comme il fallait. Bon, on devine ce qu'elle dit, hein, ce qu'elle veut dire, mais voilà, quoi. Bon, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que je suis pour toi? Bon, là, c'est vrai qu'on pourrait... On pourrait très bien dire une fille adorable, mais ça peut être adorable par amitié. Hein. On va pas non plus être froid avec elle. Il y a la fille de la consigne. Genre le mec. Bon, une fille adorable. Non, mais attends, Pavel, on n'a pas dit qu'on était amoureux de toi. Hein. On a dit juste que t'étais adorable, c'est tout. Hein. Je te plais, c'est vraiment... Bon là du coup on va dire on est obligé d'être froid au final hein. Non désolé. Non. Mais alors je ne te plais pas du tout. Et je suis rien de plus pour toi que la fille de la consigne. C'est vraiment ce que tu penses? Bon bah du coup c'est ça hein, vraiment Link même pas d'amitié du tout. C'est balèque total hein, Link hein, là balèque hein. Bah ouais, désolé, hein, qu'est-ce que tu veux, hein. Très bien, tu as répondu honnêtement. Désolé de t'avoir embêté avec ça. Et vous verrez que ça se passera, ça va peut-être pas si mal finir quand même, hein, vous allez voir. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de ta pitié. Je sais bien, je t'aurais vite oublié. Enfin, je t'aurais vite oublié. Bon, elle dit ça pour... Mais au final, ouais, on sait quand même hein, qu'elle va pas nous oublier aussi facilement. Hein. Je t'accueillerai désormais la consigne de la manière la plus professionnelle du monde. Ne rajoute pas une couche, Pavel, s'il te plaît. Bon, là, elle pleure. Hein. On devine. Mais ce soir, j'ai besoin de rester seul. Oui, bon, c'est compréhensible. Hein.
C'est compréhensible, on va te laisser tranquille, t'inquiète pas. On devine que... voilà, quoi. T'as besoin de... voilà, quoi. Devine. On devine. Mais du coup, on va parler au père. Parce que une pierre de coup, bon, elle est un peu malheureuse, là. On lui a quand même avoué la vérité. On relativise les choses. On pourrait très bien se dire qu'on aurait pu lui mentir, lui faire croire qu'on était amoureux. Mais après, plus tard, finalement, avec les scènes de ménage et compagnie, on aurait dû finir par lui dire la vérité. Et là, ça aurait été le drame absolu. Je vous le dis clairement, ça aurait été le drame. Là, ça va encore. Elle vit son chagrin d'amour. Elle n'a pas le choix que de s'en remettre. Voilà, c'est comme ça. On parle au père, mais nous, on va récolter le pèse. Hein. Allez, allez, padre, on t'a aidé maintenant. Allonge le pèse. Hé, Link, écoute ça. On dirait que ma fille a rompu avec son copain. Non, c'est pas tout à fait ça, bonhomme, mais bon. Je suis vraiment désolé pour elle, bien sûr. Désolé, mais aussi... totalement fou de joie, cela va sans dire. Bon débarras, le Jules. Dis donc, Link, c'est toi qui l'a chassé alors? Enfin, peu importe après tout. Ça se fait, petit gars, voilà, qui me retire une sacrée épine du pied. Hé! Hé, hey, padre, va falloir qu'on discute, toi et moi. C'est pas des cristaux de gratitude que je voulais. C'est du blé. C'est du blé que je voulais, padre. Bon, voilà, fin de la quête. Du coup, ouais, 23 minutes d'épisode, c'est un peu court. Ah oui, c'est vrai, il nous reste un petit coffre à récupérer. Et on va aller le récupérer. Alors, du coup, on se rapproche de l'île. On va quand même regarder sur la carte. Voilà, c'est la petite île. Juste là, ici, on y avait déjà été, c'est vrai. Et c'était avant de faire l'avant-dernier temple et je n'avais pas l'item qu'il fallait justement. Maintenant, je l'ai, on va pouvoir le récupérer. Alors, petite chute libre, s'il vous plaît. Hop là, on ne loupe pas le trou. Et on y entre. Et du coup, là ici... oui, bon, ça va nous rappeler le temple, hein, bien entendu. On va avoir une bestiole à buter. Donc c'est pas par là qu'il faut passer. Ben tout droit en fait. Ah, la petite bestiole, comme d'habitude. Un coup. Devrait pas être bien compliqué si ce n'est... si ce n'est de rester malin. Et hop, bon là, il nous voit, il nous chope. Bien entendu, je voulais tout de suite changer de direction. Attends, attends, il s'arrête quand même. Il me semble qu'on peut quand même réussir à le choper en courant derrière lui, comme ça, voilà. Même si c'est pas la méthode que je préfère le plus. La meilleure méthode que... la méthode que je préfère quand même, c'est vraiment finir par... hop, hop, là. Il nous a pas vu. Il nous a vu. Mais du coup, on n'aura pas le temps de le choper. Ah si, on a le temps. On a le temps. Ça va. Alors, je suis pas certain. On n'avait pas forcément besoin de le buter, en fait. Hein. Logiquement, on pouvait passer ici sans problème. On va regarder s'il n'y a pas une autre sortie, d'ailleurs. Ah si, il y en a... il y en a trois, carrément. Il y en a trois. Donc nous, on vient du haut. Voilà. On vient du haut, donc il y a deux autres sorties. On va commencer par celle de droite. Je ne sais plus laquelle prendre. Donc on a deux coffres. On a celle-ci qu'on ne peut pas récupérer pour l'instant. Ah oui, donc du coup... ce qu'il va falloir que je fasse quand même pour le coup, c'est j'ai dû oublier quelques cubes de Hadès. Je pense que j'ai dû en oublier au moins un. Il y a des chances. Et quelques quarts de cœur éventuellement. J'ai dû oublier. Hein. Je pense que j'ai dû oublier. Ou alors coup de chance, vraiment, j'ai pensé à tout récup. J'ai bien vu partout.
mais ça m'étonnerait. Donc je pense que je ferai un check-up quand même de mon côté. Je serai un peu obligé de faire vraiment un check-up. Et je regarderai une petite soluce quand même pour le coup, pour bien rechecker tous les quarts de cœur jusqu'à trouver celui que j'aurais éventuellement peut-être oublié. Pour l'instant, je ne sais pas si j'ai oublié des quarts de cœur et des cubes de ADS, mais en prévision, je préfère le faire maintenant. Enfin, maintenant, après. Bien entendu. Je ferai ça de mon côté, bien entendu. Et il va quand même falloir que je m'y attelle pour ne pas me retrouver à la fin à devoir chercher justement ce qui me manquerait. Donc, on arrive ici. Et le coffre. Oh, une bouteille. Du coup, combien de bouteilles on a en tout dans le jeu? Il faudrait compter. Ben écoutez, on va compter. Alors du coup, voyons un peu. Et pour le coup, on va aller voir Pavel. Mais du coup, combien j'ai de bouteilles avec moi? Actuellement, j'en ai 1, 2, 3. Donc j'ai 3 bouteilles. Et si je vais voir Pavel, il me semble que j'avais mis des bouteilles à la consigne. Voyons un peu. Oui. Mais... Oh oui, bon, on voit qu'elle est déçue quand même. Hein. Alors, ah oui, carrément. Donc, j'ai 1, 2, 3... 4, 5. Donc, avec normalement, avec un peu de chance, c'est un nombre pair. Ça devrait être un nombre pair. On devrait avoir 6 bouteilles en tout dans le jeu. Donc, il nous resterait une bouteille à récup. Quelque part, à moins qu'il y ait 5 bouteilles en tout. Ça m'étonnerait un peu. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai 5 bouteilles. Voilà. Et c'est très bien. Alors n'hésite pas à revenir, ma beauté t'éblouira chaque jour davantage. Pas de problème, on reviendra sûrement. Mais du coup, nous, on va s'en rester là, du coup c'est très très bien. Bon, c'est un épisode qui est quand même relativement court, ça va, mais pas trop trop court non plus. Donc c'est très très bien, je suis satisfait, il vaut mieux un épisode court là pour le coup. J'ai pas envie de faire un rendu long. J'ai pas envie de faire un rendu long, mais du coup, ouais, donc comme j'ai dit... Je sais pas encore quand je vais faire le rendu. Normalement, demain, j'aurai vu que le temps se refroidit. Va se refroidir. Je devrais pouvoir bien ouvrir les volets. Et bien refroidir mon appart. Et c'est de toute façon, je vous tiendrai au courant quand ça sortira. Mais assez rapidement, tout de même. Ça va pas mettre 3 plombes. Rassurez-vous. Donc du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Au prochain épisode, on reprend la quête principale. Parce que les 2 quêtes annexes qui me restent à faire, je ne peux pas encore les faire, malheureusement. Donc du coup, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.